Une dystopie ou contre-utopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. C'est un récit qui vire au cauchemar en annonçant un avenir sombre ou un monde futuriste sans espoir. On trouve ce style ou ce concept dans plusieurs films tels que AI, Minority Report de Steven Spielberg, American Nightmare, Seven Sisters, connu aussi sous le titre de What Happened to Monday, Hunger Games ou encore le fameux Matrix. Pour les séries télévisées, je cite The Handmaid's Tale ou Black Mirror, mais certainement il y en a d'autres. Bref, la dystopie nous permet de nous projeter, d'entrevoir des conséquences politiques avant qu'elles n'aient encore lieu. Sauf que ces conditions politiques ont bel et bien eu lieu. Un monde dystopique, je l'ai personnellement vécu. À une certaine et longue époque, il était bien réel. L'est-il encore aujourd'hui? D'une certaine manière, oui. Bonjour! Alors, la dystopie a été en premier abordée dans les livres. Cette forme littéraire est apparue au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, je vous présente l'une des premières dystopies écrites. C'est un livre culte. Il s'agit de 1984 de George Orwell. Au fait, le livre est publié en 1949, dans lequel l'auteur prévoit et anticipe le monde qui pourrait avoir lieu en 1984. Les événements se déroulent à Londres, mais c'est une Londres différente que celle qu'on connaît aujourd'hui. En fait, le monde est divisé en trois superpuissances qui sont en guerre permanente. Donc nous avons l'Océanie, dont fait notamment partie Londres, les USA et l'Empire britannique, l'Eurasie pour l'Europe du Nord et une grande partie de l'Asie, et puis l'Est-Asie pour la Chine, le Japon et l'Asie de l'Est. Donc on se trouve à Londres dans un contexte post-révolutionnaire où les communistes ont pris le pouvoir annonçant et imposant un nouveau régime socialiste dissociant. En Océanie, donc, c'est un régime totalitaire dont la figure principale est Big Brother. Donc, Big Brother est non seulement le président du parti qui gouverne, mais l'auteur le décrit en fait comme une sorte de divinité. C'est un seigneur du peuple, voilà. Donc, ses affiches sont partout, dans les rues, les maisons, les lieux de travail, notamment les ministères. Et en évoquant les ministères, nous avons trois. Le ministère de la paix, chargé de la guerre. Le ministère de l'amour pour faire établir la loi et l'ordre, et le ministère de l'abondance pour tout ce qui est question économique. Ce livre présente en fait un excellent guide pour bâtir et surtout faire maintenir un régime totalitaire. Je vais citer les principaux points pour réussir une dictature institutionnelle, et vous allez ressentir, enfin, vous, mes compatriotes tunisiens, mes voisins dans le monde arabe, au Moyen-Orient, vous allez avoir l'impression que c'est du déjà vécu. Règle numéro 1. Il faut contrôler en permanence le peuple. Donc le parti a installé une sorte d'appareil spécial partout dans les maisons, les lieux de travail, et puis il va enregistrer les moindres faits et gestes. Donc tout le monde est contrôlé partout et en permanence. Règle numéro 2, il faut contrôler la pensée par un processus qu'on appelle double pensée. Donc c'est la faculté d'entretenir deux idées contradictoires et de les accepter toutes deux. Dans le fameux 2 et 2 font 5, par exemple, qui a été évoqué à plusieurs reprises dans le livre. Donc, est-ce que 2 et 2 font 5 pourrait être vrai, parce que c'est une vérité, ou parce que l'on croit que c'est une vérité? Donc là, en fait, je vous invite à lire toutes les analyses qui ont suivi le livre. Règle numéro 3, contrôler le passé et falsifier l'histoire. Règle numéro 4, la langue, un endoctrinement par simplification du vocabulaire. Donc, on va diminuer le nombre de mots, de verbes, d'adjectifs dans une langue, ce qui fait que la langue va perdre toute sa profondeur et ce qui va en fait limiter l'expression et par conséquent la réflexion. Règle numéro 5. Interdire toute forme de loyauté envers autre chose que le parti. Par exemple, les relations d'amour sont interdites, le sexe est réprimé parce que c'est considéré comme un témoignage de l'individualité. Bref, une délation généralisée. Règle numéro 6. Les nouvelles générations en poche. Le lavage du cerveau commence par les enfants. On va retourner contre leurs parents et leurs proches.
Alors arrivons maintenant à l'intrigue de notre livre, parce que c'est tout de même pas un manuel, c'est une belle histoire avec plein de suspense. Le personnage principal s'appelle Winston Smith, c'est un membre du parti qui travaille au ministère de la vérité. Il est chargé de réviser, falsifier certains documents pour les rendre adéquats aux intérêts du parti. Winston tombe amoureux de Julia, sa collègue, qui va le pousser à transgresser les règles du parti. Ils vont même essayer de joindre une organisation opposante. Alors que va-t-il se passer ? Vont-ils réussir à se révolter, à détruire le parti et surtout mettre fin à ce monde dystopique? Alors je vous laisse comme d'habitude avec plein de questions dans la réponse et certainement dans le livre que je vous invite vivement à lire. Au revoir.